Quand je suis invoqué, créez ma copie dans votre main si vous avez fait passer un champion au niveau supérieur lors de la partie. 8-4 sur puissance pour 7. Ouais. Combo avec Azir, ça. Suivante. Femelle alpha, givre-croc, frayante, 5-5 pour 6. Quand je suis invoqué, invoqué une meute de givre Cro. Sérieux Octroyez-lui plus un, plus 1 pour chaque fois que vous avez gelé une unité ennemie Attends, 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 c'est quoi cette mode de givre croc là C'est pété ça C'est complètement broken 5-5 pour 6, invoque une meute, lui donne plus 1 plus 1 pour chaque euh, unité gelée. Ça, c'est broken complet. Hein. Attendez, on va regarder ce que c'est la meute. Calme-toi le son là. Ok, la meute, c'est un 1 pour 1 sur puissance. On a quand même un body 5-5 euh, pour 6, plus un deuxième body. Euh, ce genre de carte dans les, dans les jeux de cartes, c'est pas mal, parce que en une seule carte, en fait, vous créez deux bodies différents. Ça veut dire que s'il y en a un qui se fait gérer, vous avez toujours l'autre. Euh, et c'est très dur de, pour l'adversaire de faire de la value sur ce genre de carte. Donc, cette carte, elle est super. Elle est super et dans un deck en plus euh, gel, vous voyez. Elle est 5-5, donc tout ce qui est trifariant ça marche. Tout ce qui est réputation, ça marche. Elle est, elle est vraiment bien. Et, et si vous jouez H et que vous jouez un deck gel, ben la meute, elle est euh, pff, quand elle arrive T6, elle est au moins. Elle est au moins un plus 3, plus 3. Donc elle est au moins 4-4. Donc pour 6, vous avez une 5-5 plus une 4-4 sur puissance. C'est super. Hein Bien. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte, c'est bien. Hein. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Elle est pas. 1-1. Un, un. elle est plus un plus pour chaque fois que vous avez gelé une unité ennemie pendant la partie. Bon, euh, la femelle alpha, je suis fan. Très très fin dans les decks frostbit, c'est vraiment chouette. Next card. Le Rex déchu biljouateur, 2-2 pour 5. 2-2 pour 5 immédiat, lancer tir de barrage sur des ennemis ciblés aléatoirement pour chaque carte piochée lors de ce round. Max 5 fois. Bon, ok. Admettons, admettons qu'elle ait joué T5 sans rien avoir pioché euh, à part la pioche normale, du coup c'est une 2-2 de qui lance un tir de barrage. Tir de barrage c'est infliger 2 points de dégâts euh, à une unité ennemie aléatoirement. Si l'unité elle n'est plus là, le nexus prend 1. Bon. Ça, on peut, le faire, on peut faire des combos avec, euh, avec bonne pioche. Bonne pioche pour faire trois tirs de barrage. Et du coup c'est pas mal. Il y a des petites combos sympas. On peut aussi des... trouver des combos avec... Euh... Alors là je parle avec des trucs qu'on déclenche le tour d'après ou on essaie de faire un rex assez tôt. Parce que sinon, en un seul tour, on peut faire vachement de pioches. On a le fouillis, on, euh, on a pourquoi pas euh, fouillis sur, euh, sur la carte à un piltover que quand on la défense, on pioche une carte. Euh, on a la forge piltover qui peut nous faire piocher. En bijouateur, on a salvage, on a aperçu de l'au-delà. Ouais, c'est une carte avec du potentiel. Là de suite, je la jouerai pas moi perso. Parce qu'il y a toujours cet effet aléatoire et il faut quand même le, le déclencher, ce Rex. Il hein. faut déclencher les pioches. Hein. Felios. Bon, il y a des trucs à faire avec ce Rex, mais c'est vrai qu'il est sympa. On a peut-être une dernière carte. Non, on n'a pas de dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Elle était ma lumière, mon bonheur, et si aujourd'hui je dois souffrir, dans le noir je ne serai pas seul. Mais c'est forcément Viego ça. C'est Viego, il a perdu sa femme. C'est 100% Viego maintenant. Venez à moi, créature de Runeterra, servez-moi pour lui permettre de vivre. Ben ouais, regardez les, les unités, elles sont. Euh... Les unités, elles ont la brume en elles. Regardez, il y a du vert là aussi c'est la brume c'est viego 100% ils font, ils font que faire passer des petits trucs comme ça aussi depuis euh, depuis quelque temps la brume qui envahit les grandes villes et des coordonnées ok Ouais, c'est forcément...